Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous voici à la découverte de Ghost Recon Wildlands et en compagnie de Steam. Salut à toi. Salut, putain, tu l'as vachement bien dit. Félicitations. Alors c'est Steam, ouais, Frobibi, hein, pour les intimes. Ah, t'es un peu avec ça, tellement relou. Frobibi pour les intimes. Donc voilà, ce week-end, il y a la petite bêta de Ghost Recon, donc on en profite pour aller découvrir un petit peu. J'ai jamais joué à ce jeu-là, donc ça va être vraiment une grosse découverte pour moi. Steam, est-ce que tu connais un petit peu l'histoire? Bah écoute, l'histoire non, mais je sais ce qu'il faut faire en tout cas. Alors, effectivement, on fait le petit touche sur le paddle, on a une première mission. La mission est très simple, il faut aller localiser le lieutenant de la Santa Blanca. Alors bah, je vais conduire alors ou quoi? Ouais, je t'en prie. Allez, vas-y, c'est moi qui conduis, toi t'es le copain. Tu veux pas monter à l'avant? Non mais je suis pas ton taxi mon pote, non mais sans blague. Attends. Voilà. Voilà, Radio Santa Blanca, c'est parti mon kiki. Aïe, hop là! Eh, c'est classe, j'aime bien. Donc, en gros... Oh merde! reviens. Ah, ah non! Attends. Oh putain, elle a une sacrée marche arrière, là, le 4x4, hein. Parce qu'il y arrive... T'es où? Non, je suis là. T'es là. Vas-y, monte. Oh, attends. Hop, pardon. Ah mais... Vas-y. Hop là! Ah putain. J'ai voulu faire une petite blagounette dégueulasse. Non, putain, je suis trompé de côté. C'est un raccourci, t'inquiète, c'est un raccourci. Voilà. Par là, c'est plus rapide, non? Oui, bah je pense. Écoute, on suit la flèche, donc ça doit être plus rapide. Même si la flèche nous fait aller en haut, mais bon, c'est pas grave. Non mais écoute, nous, on teste un petit peu les possibilités du monde ouvert de Ghost Recon. Oui, voilà, parce que bon... Voilà, hein. Allons voir un petit peu où est-ce qu'il est, le lieutenant. Alors, le 4x4, il est quand même super résistant et il a quand même une gravité super exceptionnelle, hein. Ou attends, oui, qu'est-ce qui se passe? Attends, y'a une voiture derrière nous! Y'a quelqu'un qui arrive! Ah, mais la voiture c'est pas grave ça. C'est celle qui arrive devant nous, qui est un peu plus grave vu qu'elle est en rouge. Y'a une voiture qui arrive devant nous? Ouais, sur la map, tu vois pas? Ah putain, oui! Qu'est-ce qu'on fait? On leur tire dessus? On peut. Bah, j'ai tiré dessus, je crois que j'ai niqué le conducteur déjà. Ah, ouais, en effet, bon bah voilà. Y'avait pas un passager, non? Non, il était tout seul. Alors là, le personnage que vous voyez, c'est moi qui l'ai fait. Tu peux complètement personnaliser ton personnage. Donc j'ai mis un petit chapeau de ranchero, voilà, un petit chapeau de cow-boy, un petit foulard, machin. Bon, il est pas forcément super joli, mais bon, c'est le mien. Ici, nous avons des mecs qui apparemment ont passé un sale quart d'heure. Voilà, ils sont pendus, ça sent la mouche, ça pue le caca, ils sont chiés dessus. C'est toi qui conduis maintenant? Comme tu veux. Voilà, bon, écoute, je vais conduire parce qu'apparemment, je conduis bien. Et effectivement, on va s'arrêter déjà à côté du 4x4, voir un petit peu ce qu'il y avait. Ok. Frein à main, voilà. Eh oh! Qu'est-ce qui lui arrive, lui? Ah, je me suis... Attends, mais qu'est-ce qui lui... Attends. Alors, tu fais moi le malin, vas-y, casse-toi, bouffon, là. Casse-toi, vas-y, implore le pardon. Eh, il avait une sacrée bagnole, le mec en rouge, hein. Ouais. C'est mieux qu'on prenne celle-là, je pense, hein. Écoute, ouais. Camion Santa Blanca, interdit de conduire. Non, mais... Je peux pas la prendre, moi. Il y a le camion qui me... Ah, voilà, camion conduire. Attends, je vais enlever le camion. Voilà, on va enlever le camion, on redescend. Hop, là, petite sautée, etc. Eh mais attends! T'en vas pas, gamin! T'en vas pas! Putain, c'est trop classe la petite voiture qu'on peut prendre! Voilà, et c'est bien parce qu'on dirait vraiment un petit. Comme un petit GTA, tu vois, tu peux te servir les bagnoles, t'es un petit monde libre, etc. Donc, ce que j'imagine, c'est que nous, on fait partie de l'armée américaine. Ouais, tout à fait. On est arrivé dans une zone en plus où il n'y a pas une arme, il n'y a rien, tu sais. Enfin, si, il y a, tu vois, mais c'est avec les rebelles, etc. Donc, il y a même une grosse base, tu sais, où il faut libérer des rebelles qui peuvent nous aider, ils peuvent nous donner un soutien aérien et tout. Enfin, c'est. C'est assez complet par rapport à ça, je trouve. Ah, j'ai loupé le coche. Et dans quel pays sommes-nous? Nous sommes en Bolivie ou quoi? C'est ça, nous sommes en Bolivie. Et du coup, en fait, c'est le problème avec la drogue, etc. Ça transite par le Mexique, d'ailleurs. Félicitations, grâce aux amis mexicains, comme ils disent dans la petite introduction au jeu. Bah, tout part de Bolivie et tout transite par le Mexique. Ouais, effectivement, quand on a lancé le jeu, la bêta, on a une cinématique assez longue qui nous explique un peu tout. Donc je l'ai passé quand même pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc voilà, en gros, on est l'armée américaine qui, encore une fois, ils se font passer par les gentils, hein, dans le monde entier. Et derrière, ils doivent empêcher les méchants, hein, ceux qui font les transits de drogue. Ils empêchent le monde entier de s'amuser avec les drogues. Les vilains. Et donc c'est en Bolivie. Donc en gros, j'imagine que là, on va... en fait... Stop! Ah!
Voilà, on sort de la voiture. À ce que j'ai compris, alors je sais pas si je peux retrouver mon cartel là, mon machin, le dossier. Voilà, ici, comme on peut voir, on va progressivement piocher, enfin, en tout cas, j'imagine récupérer un indique qui va t'emmener vers par exemple la Plaga, et de lui tu vas aller à Muro. Et j'imagine que l'objectif final ça va être de tuer et de trouver El Sueño, El Jefe de Jefes, le boss des boss. Voilà, pour ceux qui ne parlent pas espagnol, mais bon, même si tu parles pas espagnol, je pense que tu comprends le Jefe, non? Oui, oui. Tu parles espagnol, enfin, je pense, toi, un poco. Ouais, effectivement. Attends, dictatel, réco. Qu'est-ce que ça... Faut faire une reconnaissance, là. Ouais, tout à fait. Alors, attention, j'ai des drones, j'ai un drone. Ouais, voilà. Alors, prenez le temps de désigner les ennemis et leur défense. Utilisez la flèche du haut pour le drone. Appuyez la flèche du bas pour les jumelles. Ok, on va reprendre. Alors, attends, on va prendre les jumelles. Repérez le lieutenant du cartel. Attends, on va prendre le drone, ça va être plus fun. Comment je fais pour monter, là? Avec les gâchettes. Avec les gâchettes. Ah, ok, oui, effectivement. Alors ici, j'ai une cible. Est-ce qu'il peut repérer le drone, la cible? Alors j'en ai aucune idée, bah, j'imagine. On va savoir tout de suite, regarde. Ah ouais. Ouais, il a repéré le drone, hein. Ah, il a niqué mon drone. Attends, hé, mon pote. Et il nous a repéré, nous aussi. Ouais, mais bon, t'inquiète pas, je vais le buter. Bon. Aïe, aïe, aïe. Voilà, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Non, je l'ai touché, mais je l'ai pas tué. Vas-y, finis-le, finish him. C'est bon. Alors, je pense que les autres sont alertés maintenant. Bon, on aurait pu le faire en mode discret, mais on l'a pas fait. Ouais, non, on aurait pu, mais... On aurait pu, mais on l'a pas fait. Est-ce qu'il loue son cadavre? Il y a peut-être des trucs à récupérer dessus, non? Ouais, enfin, il y a une arme à ramasser si tu veux, mais... Ouais. C'est souvent alors, des... Alors, j'ai entendu des les mecs qui disaient tirer. Disparar, ça veut dire tirer. On apprend un petit peu l'espagnol en même temps, tu vois, donc c'est ouais, bien. Ouais, mais toi, tu pars avec un avantage, du coup. Bien sûr, oui. Tu vas pouvoir faire de l'e-sport sur le jeu et tout. Alors les petits malaises, des fois les gens me disent ouais, t'habites au Mexique, tu parles portugais? Ouais, je l'ai, oui, j'ai eu le droit d'ailleurs, les gars. Ah, il y a des gens comme ça, hein, je sais pas si... Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça en plus, je sais très bien que c'est l'espagnol, tu sais. Cible abattue, voilà. Ah, attends, il y a des trucs là, il y a des caisses de soins. C'est bon, tout le monde va bien. Balisé ouais, matériel. Alors, ouais, voilà. Alors justement, le point positif du jeu, enfin je trouve, tu sais, quand t'appuies sur le pavé tactile, oui, tu vas dans compétences, et tu peux acheter des compétences, comme un parachute par exemple, quand t'es dans un hélico, okay, des mines, etc. Et en fait, t'as des points de talent, comme ce que tu pourrais avoir à chaque fois quand tu ramasses, enfin quand tu gagnes un niveau. Attends, dans un jeu. Attends, je me fais tirer dessus, pardon. Ouais, attends, je m'en occupe. Ouais, c'est bon. Merci, et, merci. Et en fait, tu gagnes un point de talent, mais en fait, avec un point de talent, tu pourras pas acheter la compétence, il faudra aussi que t'aies, que t'aies balisé en fait des trucs, quoi, tu vois. Et, okay, et du coup, c'est pas juste un jeu où tu dois tuer des mecs et c'est tout. Non, faut quand même faire un minimum de trucs à côté pour pouvoir avoir des points de talent. Et ça, je trouve ça cool. Ok, alors moi, je trouve honnêtement, les gens parlaient un petit peu du graphisme du jeu. Moi, je le trouve bien, moi, le jeu. Bah écoute, ouais. Après, c'est peut-être parce qu'on a la PS4 Pro, je ne sais pas, mais c'est possible. C'est possible que ce soit ça. Hein. Bon, je sais pas. Bon, après, là, c'est que la bêta en plus. Hein. Bon, là, quand le jeu sortira, on verra ce que ça donnera. Alors là, nous sommes en coop, donc c'est pas un jeu en ligne. Est-ce qu'il y aura le jeu multijoueur? Non, mais ce sera que de la mission hein, en coop. Il y aura pas de. Enfin, je pense pas qu'il y aura de match à mort par équipe ou des trucs de ce genre-là, tu vois. Non, mais je veux dire, par exemple, comme sur The Division. Ah, je suis en train de me faire tirer dessus encore, non? Ah, oui. Ah, oui. Ils sont où? Ah, ils ont été alertés. Il est où le mec là? Il est derrière, il s'est caché le petit ouais, con hein. Grimper, ah je peux grimper, ah nickel. Oh bah alors le mec je vais le prendre par surprise, il va pas comprendre rien. Petite merde va. Et bah à la base en fait si on n'avait pas alerté tout le monde, le mec était là puis on l'interrogeait et du coup il semblerait qu'il est descendu. Soit descendu pardon. Il semblerait qu'il était averti un petit peu de, ouais, de notre minimum, manque de précaution. Bah pour l'instant honnêtement je vais dire j'aime bien le jeu. Je le trouve vraiment sympa. On fait quoi chef? Et c'est bien d'avoir un jeu où tu peux jouer en coop aussi. Ouais, c'est vachement sympa, hein. Franchement. Moi j'ai testé, on était trois et franchement on s'est bien marré quoi. Ah, dans le bâtiment, je pense. Ouais, je l'ai. Tu l'as, c'est bon, allez! Vas-y. Petite pédale, parle! Et poids en poignée, voilà. Ok, donc là on va le prendre et j'imagine qu'on va devoir se sauver, non? Faut que tu l'interroges. Ah, d'accord, attends, je vais me mettre dans le coin alors, je vais me mettre à l'abri un peu. Non, c'est bon, j'ai tout nettoyé. Okay, du coup, parle, bâtard, parle ou je t'éclate les couilles! Dans les voyous, je te laisse crever dans ta merde. Comprenez? Faut te calmer, putain! Qu'est-ce que tu veux? Amaro, je le trouve où? Sérieusement? Ok, c'est toi qui vois. Non, problème. Il est à Tolo Farm. Vas-y, okay. Tu verras toi-même ce qu'on fait aux ennemis du cartel. Aux gens comme toi. Passe, vite, ouais.
Allez, hop. Je pense qu'on va le mettre à terre. Mission actualisée, voilà. Tu es où, monsieur Steam? Bah écoute, je t'attends. Il est déjà au KLM dans la bagnole, mon pote. Et limite, il klaxonnerait en disant putain, tu te bats de cul, bordel. Ah, ça franchement, gros point négatif, le jeu, y'a pas de klaxon. Franchement, je trouve que ça craint. Bah, si on arrête la vidéo tout de suite, y'a pas un klaxon, c'est mort. Voilà. Alors attends, tant qu'on est là, y'a pas des trucs à baliser ou quoi? Non, pas là. Là, y'a juste des munitions à récupérer, mais je pense qu'on est full donc. Ok, bon bah écoute, je te laisse conduire. Ça marche. Comme ça, moi je vais mettre un peu en mode visé. Alors j'aime beaucoup le fait qu'on soit à la 3. Putain, tu conduis aussi bien que moi, t'as pas vu qu'il y avait des routes, bordel? Tu me donnes la nausée. Si histoire de gagner du temps, tu vois. Alors, utilisez rond pour vous asseoir. Alors, je vais m'asseoir tranquillou, on va pouvoir expliquer. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a la troisième personne. D'accord, ok. Et que Steam sait super bien conduire. T'inquiète pas, va. Des trucs qui sont irréalisables dans la vie en vrai. Mais c'est ça qui est fun, tu vois. J'aime beaucoup le fait qu'on soit à la troisième personne, un peu ambiance de jeu de guerre, jeu de tir, etc. Et que quand on va tirer, on va être à la première personne. J'aime bien ça. J'aime bien. Alors après, j'espère qu'on va pouvoir débloquer un petit sniper, voir ce que ça donne. Steam avait l'air de dire que oui. Tout à fait. Bah après cette mission là, on va prendre le mec et on le récupère dans l'hélico, on rentre et on a le sniper. Super, ok. Bon bah écoute, t'es sûr de là où tu vas? Parce que j'ai l'impression que tu vas un petit peu la direction opposée. Ah oui, parce que tu n'as pas... oui, alors attends. Vas-y, va tout droit. Voilà, on verra bien. Le chemin le plus court, c'est la ligne droite. D'accord, ok. Bon, on est baisé là. Comment tu vas t'en sortir? Explique-moi, voilà. Tu laisses Steam conduire, c'est la merde. Je suis sûr qu'il arrivait à se mettre dans le seul endroit de tout le jeu où tu peux planter la bagnole. Merci. Ah, alors attends, on va ça, demander ouais. De l'aide à la petite vieille. Ça va pas te plaire, mais j'ai pas le temps de discuter. Sors. Ah. Sors. Ah d'accord, c'est toi qui parles, c'est toi que j'entends ta voix, d'accord. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire une course de bagnole. Ça marche. Alors tiens, moi je vais prendre la Dixie. Je pense que je vais l'avoir dans le cul avec cette bagnole, mais bon. Eh, t'as pris un petit peu d'avance, hein. Ouais, c'est juste pour voir. J'aime beaucoup, franchement, t'es en coop, chacun veut prendre sa bagnole, on peut suivre comme ça. Et au moins, je suis sûr que je suis pas obligé de me taper ta conduite dégueulasse. C'est des bâtards. Bon, j'ai une bagnole de merde, mais j'imagine qu'on va trouver des mieux dans le futur. Eh ben, oh, je t'ai doublé ouais, Ah, j'ai loupé. Attends, c'est là-haut. Hop là. Wouhou. Oh, merde. Changement de direction, mon pote. Attends. Oh là là. Et je vais y arriver. Ah, putain. J'ai éclaté une vieille au passage. Civil tué. C'est pas de ma faute. Oh là là. Mais il est énorme, ce jeu. C'est trop fun. Eh, tu sais, quand je suis arrivé, j'ai fait un saut, je suis retombé sur une vieille en fait. Ah, ok. Genre la meuf pas de bol quoi. Ouais, elle était vraiment. Et en plus, et dans toute la campagne bolivienne, on va dire que la vieille elle était vraiment au mauvais endroit au mauvais moment quoi. Littéralement. Ah, ouais. Bon, sinon, pour les meilleures bagnoles, si ça peut t'intéresser, il y a une mission, bon qu'on fera pas parce qu'elle est un peu plus loin quand même, où on a une Lamborghini en fait. On doit voler une Lamborghini. Une Lamborghini dans la campagne, ça doit être quelque chose. Ouais. Oh, écoute, je te conseille de t'arrêter ici, on va finir à pied. D'accord, est-ce qu'on se la fait en mode infiltration ou se la fait en mode comme tout à l'heure? Écoute, on va faire infiltration parce qu'il y a un peu de monde quand même. Je vais marquer les mecs avec mon drone et puis... Comment on fait pour marquer les ennemis? Attends, marque de synchro, balise... En fait, faut juste passer avec ton drone, tu les cibles avec ton drone et ça. Ah, une fois que t'es dessus, ça les marque automatiquement quoi. Ouais. Tu les as tous marqués, non? Non, pas tous. On a oublié, hein, j'en ai vu un, il y en a un autre là, ok. Bon, il y a un hélicoptère, ça c'est bien, on va savoir où est se barrer. J'ai l'impression que si on s'éloigne... Quand ça devient un peu brouillé, ça veut dire quoi, on est trop loin ou... Ouais, en fait, pareil, le drone, c'est un truc qu'on peut améliorer avec les points de talent, pour aller plus loin, plus longtemps, etc. D'accord. Bon, écoute. Là, je mets le silencieux. Non, j'ai retiré le silencieux. Donc en fait, quand t'es en train de viser, tu fais la flèche du haut, ça met le silencieux. T'es où là? Bah écoute, je suis parti, j'ai avancé un petit peu sur le côté. Hein. Bah attends-moi, Frobibi. Ah ouais, d'accord, bah ça fait vraiment infiltration. Ah, c'est classe! Bah un minimum quoi, tu vois. Un minimum, ouais, mais c'est pas vraiment mon fort l'infiltration généralement. Moi, c'est. J'essaye d'infiltrer, puis au bout de deux secondes, c'est déjà alerte générale quoi. Ok, on s'en tire bien. On s'en tire bien. À terre, tu vas te faire griller. Ouais, mais y'a un mec qui me repère, comment c'est. Ah non, c'est bon. Voilà, je crois que j'ai chié le repérage déjà, moi, non? Ouais, je t'ai entendu. je t'ai entendu beaucoup de tirer, j'ai fait oula, y'a petit. Bah, je te dis, moi j'essaye d'infiltrer, mais ça marche pas chez moi. Voilà, c'est bon, c'est mort. J'ai niqué l'infiltration.
Oh putain. Attends, on a des grenades. L1, L1. Wouh, grenade mon pote. Alors, merde, je suis mort. Est-ce que je peux... Oh putain, je peux te réanimer? Ouais, tu peux me réanimer, faut qu'il passe derrière la cabane où il y a les cochons là. Ok. J'arrive gamin, j'arrive. Putain, c'est comme dans le zombie hier mon pote. Ouais, j'allais le dire, putain. Ah bah le dire. Putain. Alors bon bah c'est vrai que chronologiquement vous avez regardé la vidéo, peut-être que ça tombe pas au bon moment, mais on a fait un zombie hier et bah Steam c'est pareil, il arrêtait pas de tomber à terre. Mais bon, c'était, il avait l'excuse quand même, c'était son premier. Ouais, tu sais que mine de rien, avec du recul, mais j'étais méga stressé, tu vois. Ah carrément. Ah bah ouais, attends, tu sais, j'ai jamais fait un zombie, il y a un live, il y a machin, je fais oh putain. Ouais, mais il y avait rien à les stresser, hein, c'est... Ouais, non, enfin, non, mais ça a été en plus, quoi. Ah. Voilà, lui, il est à terre. Faut le compte là, et vite. Merde, je suis à... Recharge. Repli. Pourquoi repli? Moi, je replie rien, mon pote. Moi, je fonce dans le bifteck. Infiltration de la maison. Bon, hey, je trouve que c'est quand même... la jouabilité, elle est vraiment bonne, hein. Ouais, c'est... Moi, je trouve ça correct, franchement. Bah, il s'attendait pas, lui. Il était en train de faire son petit chargement. Ah, on va pouvoir le sauver. Alors, j'imagine qu'on va devoir tirer. Non, non, tu... Ah oui, aussi. Oui. Escorté. Bonjour, toi, petit gamin. Il paraîtrait que tu as passé un mauvais quart d'heure. Allez, viens là, gamin. Bon, il a l'air d'avoir déjà souffert. Alors, je conduis l'hélicoptère ou pas? Écoute, c'est chaud. Je te le dis. je pense qu'ils ont pas vraiment bien géré le truc. Après. Ah. Alors, il y a un dictatel. On pourrait le regarder. Moi, je suis un professionnel du pilotage d'hélicoptère. Ah, je vois ça. Bah, c'est vraiment le cas, je veux dire. T'es dans un monde ouvert. Tu peux aller où tu veux. Tu peux voler des bagnoles. Tu peux jouer avec tes potes. T'as des hélicoptères. Tu peux te balader avec, etc. Tu shootes. Non, c'est bien, c'est complet quoi. Ouais, mais je pense en plus qu'on pourra débloquer pas mal de trucs, genre des avions et tout, parce que on peut pas y accéder, mais sur la map, parce qu'en fait la map est immense, je pense qu'on aura du compte après avoir joué à la bêta. Il y a un aéroport et tout, donc je pense qu'il y aura des avions, il y aura tout ça. Quoi. Ah bah, ils ont reproduit entièrement tout le pays de la Bolivie. Hein. Alors attends, parce que là, j'accélère, mais j'ai pas l'impression d'avancer beaucoup. Si j'avance ou pas? Ouais, mais faut orienter. Non, franchement, le pilotage des hélicos, je sais pas ce qu'ils ont fait avec ça, mais c'est vraiment étrange. Parce que là, quand j'oriente, j'ai l'impression de monter en même temps, de descendre. Oui, tout à fait. Bah, c'est le cas d'ailleurs. Donc en fait, il faut que je monte et après j'accélère. Ouais, en fait, il faut. Ah, oh putain. Ah, j'ai compris, ça y est, j'ai compris. Ah, oh, c'était simple en fait, c'était simple. Putain, c'est vrai que. Bah, honnêtement, tu regardes et on a quand même un champ de vision super large. Je vois pas d'aliasing ou pixelisation ou quoi, c'est joli quand même. Ah, ouais, c'est propre. C'est propre, attends, y'a rien à dire. Alors là, je vais essayer de descendre. On va quand même essayer de s'orienter un peu plus. Putain, ouais, je dirais que. Y'a un petit doigté. Hein. Et pourtant, bah, j'ai ouais, joué à Flight Simulator. T'as l'impression qu'il y a des turbulences et tout, tu sais. Mayday, Mayday. Et si on se crache, on meurt ou... Ah oui. Attention oui. Ah, atterrissage en douceur. Et honnêtement, je suis pas trop mal démerdé, je pense. Ouais, je suis fier de toi. Merci. Là, pour te... Pachito, là. Écoute, pour te remercier et te féliciter, je te laisse ouvrir cette magnifique boîte ici. Donc, les caisses d'armement. Oh, le sniper! Le M40A5! Oh, tu fais plaisir, oui. Merci! On a rempli la mission, c'est bon. Alors là, il y a la Gorda, là, la grosse, là, qu'il faut apparemment shooter. Bon, on va y aller en moto, comme ça on essaiera de faire à peu près tous les véhicules. Où est-ce que c'est la mission? Parce que je vois pas le. Ah, si, le petit point d'exclamation là-haut. Allons-y. Ouais. Alors, bon, bah écoute, que le dernier arrivé est fan de Phil Collins. Ah, ouais, non. Fais pas le con, putain. Fais pas le con. Non, c'était dans le film Stick, je sais pas si tu l'as vu. Non, ça me dit rien. Eric et Ramsey. Ah non, je regarde pas. Mais moi, j'aime beaucoup Eric et Ramsey. Ah ouais, mais j'ai du mal, moi. Bah, tu sais, c'est un humour... Moi, je trouve que c'est un humour qui est incompris. Vraiment, je trouve oui. que c'est un humour qui est beaucoup plus intelligent que les gens peuvent croire. Et quand tu regardes les films, il y a énormément de blagues cachées, de trucs comme ça. Et vraiment, c'est beaucoup plus intelligent qu'on pourrait le croire. C'est vrai que c'est sur un abord, on a l'impression que c'est un humour complètement stupide et pipi caca machin. Et finalement, c'est beaucoup plus fin et intelligent qu'on peut l'imaginer. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Vraiment, j'ai l'impression que des fois, je suis le seul à rigoler à des blagues, mais bon. Ouais. Je suis sûr que je suis pas le seul. Je suis sûr qu'il y a des mecs qui pensent comme moi et qui voient l'humour d'Eric Hervé différemment. Alors, t'as toujours les grosses blagues bien grasses et machin. Et par contre, en moto, là, dans la Pampa, c'est littéralement impossible. Non, c'est impossible. Franchement, c'est l'abus, quoi. Non, mais moi j'ai voulu y aller off the road, tu sais, genre un peu le mec. Et en plus, je suis pas arrivé parce que ça m'a écrit 400 mètres. Hein. Ah, je vais rejoindre la route, voilà, on va reprendre la route. Parce que là, je n'en pouvais plus. Bon, bah écoute.
Oh putain! Ah d'accord, non, je suis mort. En attente de réanimation. J'ai ah putain, le relou. Petite chute mortelle. Voilà, tu vas être obligé de revenir me chercher. Putain, mais t'es trop loin en plus, quoi. Ah ouais, en plus, j'ai 33 secondes. Hein. Dépêche-toi, Steam! Viens m'aider, il reste que 8, 7, non 6, 5, 4, 3. Oh merde, 2... non, je vais mourir aussi, je crois. Oh non! Mon gars, j'ai fait le Superman pendant 3 secondes au moins. Oh putain, le gros malaise. Là, on arrive dans le quartier, là, dans le Tiekar. Ouais, donc là, en fait, c'est un dossier à récupérer. Les dossiers, ça permet de débloquer des nouvelles missions, justement. Bah écoute, c'est génial. Ouais, on y va à pied ou... Ouais, on y va à pied. Hein. Allez, sors du véhicule, gamin. Est-ce qu'on va devoir buter des gens? Parce que j'aimerais bien taper ouais. Le sniper un peu. Ouais, ouais, là, il y a du monde. Il y a du monde. On le voit sur la map, tu sais, c'est un peu... Tiens, regarde. On va tester ça. Hop, headshot, petite pute. Ah là, viens là, viens là, viens là. Moi, quand j'arrive dans la ville, putain, y'a du monde, y'a du monde là. Ouh putain, oui, oui, oui. Oh putain, j'ai fait une double. Oh putain. On est grillé, okay, bah ouais. J'ai pas été en mode infiltration, hein. Mais moi je m'en bats les couilles, moi je vais en mode tirage. Par contre, je vois plein de petites flèches rouges, mais je vois pas où est-ce qu'ils sont les mecs qui sont dans le bâtiment. Ouais, c'est parce qu'on se fait repérer de partout là. Oh putain, derrière toi, y'en a, c'est affreux. Oh putain. Oui, ah, je suis mort. Ah, moi aussi. Bon, on va se la faire, infiltration. Ouais, un minimum. Si ça te dérange pas, au moins faire du repérage d'ennemis. Si ça me dérange pas, qu'il dit non. Le mec, il fonce dans le tas, c'est. Le mec, c'est lui qui fout la merde et ça te dérange pas. Bon, ben voilà, c'est tout pour la petite découverte de Ghost Recon Wildlands en compagnie de Steam Frobibi. Merci à toi. Oh, arrête un peu. Arrête un peu, arrête un peu. Bon, Steam, tout simplement, voilà, Steam. Enculé, enculé. Il est bien, t'es bien bonne, hein, t'es bien bonne. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous savez bien que c'est tout le but, bien évidemment. Pour ma part, je me savais pas trop à quoi m'attendre parce que j'avais jamais joué à Ghost Recon, mais je suis vraiment super agréablement surpris. J'ai vraiment kiffé le jeu, vraiment. Le côté infiltration, monde ouvert, tu peux voler des véhicules, tu te balades, etc. Et j'aime beaucoup le fait que ça soit infiltration troisième personne, mais que quand tu vas te mettre à viser, tu vas être là à la première personne. Je trouve que la jouabilité est vraiment très bonne. Si vous voulez d'autres épisodes sur Ghost Recon, n'hésitez pas à le faire savoir par commentaire. N'hésitez pas vous à donner votre avis. Qu'est-ce que vous avez pensé du jeu? Si ça vous a plu et que vous voulez plus de vidéos sur Ghost Recon, n'hésitez pas également, petit pouce bleu, un like, c'est plaisir, c'est la récompense. Merci à toi Steam, merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée, que du bonheur, quelle bonne chose, et je vous dis à la fin prochaine. Allez, ciao, bye bye. Salut.